Evans Paul, ancien premier ministre qui était ensemble avec nous hier sur Haïti 58 télévin. C'est lui-même nous qui est ensemble avec nous, c'est émission sans problème tout entendre. Côté que Evans Paul venait sur plusieurs points d'actualité. Il fait parler avec le président Jovenel Moïse en téléphone, il parle de conseil électoral ça a limité Campéa. Evans Paul dit dans l'émission ça, dans l'émission et conseil électoral qu'il a, et même pas quoi organiser élection non. Il pas de problème avec monde qui compose là, mais pas en tant qui vient autour de conseil électoral ça. Il parle tout de constitution hein, de Evans Paul, il souligne que le président pas capable de changer constitution pays a pour qu'on parle. L'autre fois encore, il parlait de président comme un monde qui a un problème d'arbitrage. Comme quoi, le président a couru dans toute direction là, il n'a pas un fusible, c'est lui même qui paraît au devant de la scène. Ça pour ministre, il a fait, c'est lui qui fait, ça pour directeur général, il a fait, c'est lui qui fait, c'est lui qui a bouché tout ici, président. Il va se dire, président, fatigué, c'est ça que fait des fois, et vous jouez une inefficacité dans l'action. Listen, il y a tout président là, président tout ça qui est pour le faire déjà. Et c'est n'importe quoi qui est allié là. Et c'est Evans Paul qui a parlé. Président, c'est n'importe quoi qui est allié là. Tout ça qui est pour le faire déjà. Et en ce premier ministre a souligné. Et que si le président a fait des gars, il faut nous empêcher de faire des gars. Nous ne pouvons pas mettre tout le temps d'Evans Paul qui parlait tout sous élection aux États-Unis. Entre Biden avec Trump, qui ça a préféré, qui ça a payé à préféré. On parle d'explication. Et dans le commencement, en tant que chef CSPN dans la situation, la police a trouvé le jour et jour à la commande de la gérer la situation ça, avec barbecue qui a fait travail et la police a arrêté moun, la police a pu rechercher. En nous tendez, ancien premier ministre Evans Paul qui était dans l'émission Haïti 58 hier. On nous est en forme. Magique. Bon, nous ne pas dire nous en forme. Physiquement, nous en forme. Moralement, nous en forme. Mais nous vraiment préoccupés par l'ambiance générale pays nous. Et nous ne pouvons pas dire ces pays, non seulement, c'est le monde. Parce que nous avons fait coronavirus là, qui déstabilise la planète là, d'un côté. Et puis, il y a un petit événement, par-ci, par-là, terroriste, qui décapite un professeur en France, acte terroriste, qui fait l'autre côté en Europe, États-Unis, qui presque. Tomber dans l'ambiance de crise électorale, même genre avec nous en Haïti. Mm-hmm. Alors tout ça qui a passé. Vous êtes bien capable de sortir de notre table pour manger dans une. Il n'est pas fait mon plaisir. Pour respecter la démocratie. Même je ne fais pas. Moi-même, je connais que en tant qu'étranger, je ne vais pas faire confiance sur ça qui a passé de l'autre côté. Et vous dire, vous va faire ça ou bien ça? Faut pas suivre le monde. C'est un mauvais chemin. Bon, moi, ou retourner dans la vie politique, ou c'était artiste, ou retourner dans l'activité professionnelle, ou. Eh bien, ou à conseiller résident. Moi-même, je ne suis pas en chômage. C'est-à-dire, je suis toujours occupé de temps par une activité quelconque. Il y a des choses que je connais, des choses que je ne connais pas. Parce qu'il y a les activités de coulisses. Quel que soit, pas oublier ton acteur de théâtre, metteur en scène, avant pièce de théâtre sortie. Il faut faire répétition, il faut écrire pièce là, etc. Tu continues à écrire toujours? Préparer acteur, oui, de temps en temps. Et puis, dans la politique là, tout, dans la politique là, il y a des réflexions de coulisses, etc. Soit puis qu'on lit, il faut penser, etc. Jour le sorti, je n'ai pas juste à le préparer. Je ne suis pas jamais conseiller officiel de personne dans la vie. Et moi, c'est un monde qui occupait deux fonctions officielles. Moi, j'étais magistrat à Port-au-Prince et puis, moi, j'étais premier ministre. Mais je ne suis pas jamais joué un rôle et je suis capable de dire rationnel, je suis conseiller, je suis pour m'aller. Moi, je rends service de temps en temps. Depuis des années, moi, toujours, joue un rôle proactif, suivant les circonstances, soit au commencement, avec le président Aristide, René Préval, nous avons une relation dans le ciel avec lui. Tantôt, dans l'opposition, mais. Tantôt, bien, tantôt, fâché. Non, même si dans l'opposition, nous avons toujours des amis. Okay. Et c'est une particularité, relation avec le président Préval. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et publiquement, moi dénoncé lui. Mais chaque 2 janvier, je suis après lui pour dire bonne fête. Et moi-même, chaque 17 janvier, je suis après lui pour me dire bonne fête. Lui me dit bonne année, moi pour me dire bon anniversaire. Nous avons une relation amicale parce que nous sommes militants.
L'emte en prison en 1989, sous avril, n'a fait prisonnier la Toussaint. L'ancien président Préval te fait grève de la faim pour moi. M'pa ka oublier ça. Tant que le président Aristide tout, il était père, il n'a pas fait grève de la faim, mais il était joué un rôle très actif dans coordonner l'activité. Maman m'a fait grève de la faim, petite, m'a fait grève de la faim. Tout le monde, société, journaliste, intellectuel, t'a fait pression sur le régime militaire là. Mais il y a des liens qui étaient. Un tissé que nous ne pas aller bon matin parce que je dis à nous une différence politique et puis une fâche nous pas dit bonjour ni un ennemi à l'autre pas comme ça aussi t'es Préval côté même si des fois politiquement nous pas t'entendre nous et mais nous t'es une relation plutôt correcte relation amicale pour ça Préval aussi t'es passé Aristide c'est plus difficile avec le président Aristide c'est pas même caractère c'est pas même caractère mais c'est débile fâché moi désolé c'est pas même caractère c'est pas même caractère ah ici fâché plus longtemps fâché le bidi pas courir dire pas demander pas connait seulement dit c'est pas même monde c'est pas même monde mais n'empêche que monsieur Aristide son monde très cordial soit monsieur là son père lui l'a convaincu monsieur converti vous comprenez mais n'empêche que c'est une personnalité difficile chaque monde gagne caractère et moi même pas venir là pour faire jugement mon capable dire et dernière fois me parler avec un président Aristide c'était en janvier 2004 oh oui c'était dans l'annonciature apostolique le ça et oui le ça Dalouelli c'était moi avec Serge Gilles nous étions en opposition anti Aristide, même te ouvrons fenêtre de dialogue. Ça fait que je dis à l'aime, ouais, mon opposition a fait dialogue, a critiqué. Pas rien de sorcier de faire un bail de dialogue. Sauf l'aime premier ministre. Le ministre de justice là, qui était sous direction moi. Moi, le commissaire gouvernement, je me dis, je me dis, de temps en temps, après le monsieur Aristide, vient dans le parquet pour l'expliquer de qui prévient. Pendant là, s'il vous plaît, campez bail ça. Si monsieur a pas posé un acte, on est capable de dire de flagrant délit. Et puis pour nous arrêter parce que tout le monde va pendant là s'il vous plaît. Avec pas son départ pour pas tu fais payer à l'homme. Non, pas de vle semblant monde qui parle dans rivalité politique, mais confrontation, parle dans persécution etc. C'est-à-dire que si un fondement moins douce sur tout le monde. Un flagrant délit, oui, arrêtez. Oui. Mais si c'est des dossiers à enterrer, je devine font titan pour me faire élection. Qui te fait titan dans le pas besoin d'entrer dans le final, il y a pas nuit, il y a pas politique, il y a pas l'autre couleur. Même si on a dit c'est la justice qui fait travail, il y a toujours un premier ministre là, il y a toujours pensé que Gomba a pris son là. Ancien bagarre au Tega, monsieur. C'est ça, me tirer les bouquets de loi. Éviter toute zone de turbulence qui t'a mis des problèmes. Et bien content, pendant que tu me dis là, pas de gagner. Qui était arrivé personne monde dans classe politique là opposition société civile m'était prend pile précaution pour ça. On regarde justement dans le contexte nous là lorsque même était premier ministre était gon comme ton petit apparent puisque gouvernement pour là c'est ça justement le devine fait. Oui. Mettons on t'y accalmi pour permettre transition hein t'es fait vers privé et les élections. Si tu te trouves dans situation jodi là comme premier ministre avec un pays qui gangstérisé pas bon côté sous territoire là actuellement on parle là pour capable dire que ou à l'abri de gang même petit côté que t'es reculé longtemps Lièvre et Saint du Nord qu'on ne parle pas parler ou attendre ça gang a fait qu'on est là son bagarre terrible comment t'as géré ça en tant que chef CSPN chef du gouvernement me penser fuck l'état proactif l'état pas arrêté pour la réagir pour sur la défensive pour l'attendre chaque combat est passé pour faire un tweet pour faire des condamnations de principe. Condamnation de principe, c'est pour monde qui société civile, journaliste, opposant, mais le gouvernement doit agir. Puisque on pas capable de gérer. Attendez, le président, le premier ministre, il va pas faire tweet. Pas dit on va faire tweet. Tweet là son moyen de communication, mais il pas qu'à ça seulement. Il qu'a fait tweet là tout. Okay. Mais il faut qu'il fait l'autre travail là, parce que communication dynamique là tout là-dedans. Et pas seul président qui fait tweet. Oui. Mais anticipation, l'irrité, nous sommes capables de dire méthode de gouvernance et qui est capable d'aider ou protéger la société. Et nous avons des gens qui font kidnapping dans la zone Grand Ravine, ils parlent dans la radio, disent-ils. Quand la technologie permet de situer côté de nous,
Tandis qu'un chef de gang dans la Tibonite, qui a simé la terre, qui saisit machine, ambulance, machine officielle, machine non gang, et comme ça, il y a un peu, tout le monde connaît qui côté lié. Gon lot, bon, qui est tellement extraordinaire, l'arrêté moun mené par la police. Alors, là, où dans la situation, ça, il faut demander pour qui ça, police là, pas réagir, ou pour ça, pas agir. Je vais corriger ça, me dire. Parce que la police n'a pas le droit de réagir, il faut qu'elle agisse. Il faut anticiper agir, c'est anticiper parce que si il y a des gens qui sont là, qui connaissent les gens, lui-même, c'est faire des stabilisations, c'est faire des ordres, c'est terroriser les gens, eh bien, ils sont source de problèmes, ils sont source de violence. C'est un élément nuisible. À ce moment, il faut la police la stopper. D'ailleurs, je stoppe dans la police. Oui, oui. Et je compte que j'ai pu stopper les gens. Alors, je pense que. Pourquoi les gens disent stopper dans la police, c'est tuer? Moi, je ne vais pas faire ça. Parce que la police, pas qu'elle doit tuer. Non, son code. Mais elle est capable de stopper. Stopper, il y a des cas de légitime défense ou stopper au monde. Si on a besoin de tuyaux, etc. Mais il y a une méthode pour le faire tout. Alors, je pense que y a un problème de désorganisation. Dans la police là, qu'on a une rivalité, qu'on a une contradiction dans la police là. Non mais est-ce qu'on pense que la police là, pour qu'on parle, sans que Maestro, qui est président de la République là, qui, selon des constats et selon des critiques, livre que ben, on met sous toute institution, yo, notamment la police. Est-ce qu'on pense pas qu'on met politique là, qui empêche la police à agir, Jean qu'elle doit agir, l'aide considérée tout, Gagnon, Fédération Gagnon, G9, yon considéré lui comme yon groupe armé qui proche pouvoir. Et non pas au lieu faire, ouais, critiquer Aboulet Rouge, s'opposition, attaquer des mouns qui dans opposition, ça qui laisse comprendre effectivement vrai, il a fait travail pouvoir. Vous pensez que la police a libre de mouvement, dépendamment de position président? Je ne vais pas une leçon là. Même qu'on est que responsabilité, Gonjon Géril. Lorsque la responsabilité principale, il faut gagner une attitude d'arbitre. Il faut procéder par l'arbitrage. Et si ou même c'est ou devant, ou qui fait premier pas, ou pas gagner recul pour faire arbitrage là. Dans le Tirol, on a fait comme premier ministre là, on a procédé par délégation. Chef de la police, ministre de la justice, commissaire gouvernement, la loi ban nous rôle nous. L'aile dépasse nous, moi-même je rentre en scène. Nous avons un rôle, nous faisons travail. Je n'ai pas gagné pour me relayer le ministre de justice, pour me relayer la police, pour me dire l'arrêter bandit. C'est le rôle pour l'arrêter bandit. C'est l'aile pas arrêter bandit. Je m'a demandé pour qui ça va arrêter bandit. Je n'ai pas parlé du tout qui j'ai pour l'arrêter bandit. Une manifestation qui a fait, et bien, je me dis que le rôle, c'est sécuriser la manifestation. Pour les gens qui ont fait la manifestation, ils doivent faire pour entrer la caillou tranquillement. Mais c'est protéger si tu as dans la rue à tout. Il n'y a pas de boule à faire, il n'y a pas de ça. Pour l'autre monde qui a circulé, vaquer à l'occupation. Alors, le problème qui gagne aujourd'hui, bon côté président Jovenel Moïse, et si gagne, pas leçon, pas de leçon. Si tu as un petit commentaire que tu as fait sur ce comportement, il n'y a pas quitté place pour jouer le rôle à bit. Il y a trois devant scène, et il y a trois à essayer de gérer tout détail. Et à ce moment-là, les... Quand tu as essayé de gérer, les voulaient accaparer de tout le pouvoir, voulaient contrôler. Ils voulaient 10 mois accaparer. Ou quand on joue football, gon défenseur les libéraux. Monsieur, là, les latérales ont raté l'intervention, ou bien les stoppers ont raté, pour lui-même, pour le faire, et dernière intervention. Et bien, si on regarde le football, là, où les gens l'organisent, et bien, politique, là, c'est le même genre. Ou grand président, ou grand premier ministre. Tout pas capable. Sous même ligne, tout pas capable de mener même action. Il y a des fois que des bagages qui passaient, ouais, chef de la police, bah même réaction, ministre, bah même réaction, premier ministre, bah même réaction, président, bah même réaction. Et ouais là, un problème d'organisation, un problème de méthode. Et m'a dit que c'est pas mauvaise foi, parce qu'il y a une différence pour nous faire entre ça qu'on qualifie de mauvaise foi et de mauvais choix. Et ceci que c'est non opposition que c'est dans et pouvoir moins joindre une même attitude là. Ouais, faut pas que tant pas parler, m'a réfléchi, m'a analysé, m'a évalué situation hein. Et m'pas rentrer dans politique vinn crason moun parce que c'est plus facile pour vilipender moun et tel pas bon et tel ceci. M'a regarder sacrivon l'autre qui ça pour me ta faire pour pas arriver. M'content dans moun
dans Magique 9, on fleur. Et puis, je me suis dit, je la mal passé. Je me dis, ah, il faut me faire attention. Je sais moi qui a parlé pour ne pas voir même fleur à tout. Même pas pour le mouté. Je me suis dit, mon chrétien, je ne sais pas, bon, de la vie. Ça qui arrive, ils font un dérapage. Qui arrive, tout le monde, c'est humain. Ça veut dire que vous n'avez pas quitté espace pour le grand fusible? Pas oublier que, et par un côté, on va la prendre président. Et pas oublier que M. Jovenel Moïse, c'est pour nier rôle politique, lui. Et c'est président. Il n'y a pas de jambes dans l'État avant. Et puis, il est entré dans mon système. Il y a tellement un galvaudé. Il n'y a pas utilisé. Non, mais l'entrée non circuit pour pas du système, non. Côté bagaille, pas tellement bien organisé, etc. Et côté lui-même, il est tellement ouais, gain bagaille pour le faire, tellement ouais, gain bagaille qui manque fait, ou bien qui mal fait, selon lui-même, la PCI bouche tout. La PCI est présent, sur toute fois, en même temps. Et à ce moment qu'on y a, il vient un monde fatigué, avec toute bonne volonté qui paraît inefficace. Ma première exemple, qu'est-ce que le problème pour promesse électricité? Monsieur le Président, pour précaution, il quitte le dossier à gérer par le ministre des Travaux publics ou bien le directeur de l'EDH. Le directeur de l'EDH a dit, bon, nous-mêmes dans la politique, nous ne pouvons pas le courant 24 sur 24. Si ça n'a pas marché, il a retiré le directeur. L'Assemblée des directeurs, il a quelque chose parce que le conseil de Wallouré, c'est fusible pour protéger le chef principal. C'est comme ça le passé. Mais là, c'est le chef principal là, qui court, il dit. C'est ça qu'il faut, ouais. Ce n'est pas tous les libéraux qui courent devant le bail-gol. Et même là, il y a un coup de tête, il est obligé de quitter un nez derrière pour veiller pour eux. Et pensez que ça prend pour apprendre, pour que l'erreur président Jovenel Moïse a fait aujourd'hui, pour que l'autre monde qui vient président pas fait même erreur. En garder les pour nous voir qui côté faute la sortie. Parce que son problème de faille de gouvernance qui a une conséquence. Et sous lui d'abord, et puis sous ensemble pays. Maintenant, bon rabattre sur l'autre question. Ou même que CSPN, chef CSPN, comment tu as géré le dossier ça? Ou mettez à vie de recherche contre un citoyen qui font un crime terrible, toute société a tête en bas, après l'assassinat Evelyne Sincère, petite jeune fille a 22 ans, fait que ça te fait un examen philo, ou est-ce que tu as mis la société a tête en bas? Ou mettez à vie de recherche d'ailleurs, c'était Obed Joseph, et le regard de pouvoir. Qui est-ce qui monte sur les réseaux sociaux qui se déprend? C'est au monde, ou même personnellement, tant que chef CSPN, nous connaissons qui ont envie de recherche contre lui, de parler de Jimmy Cherizier Barbecue, qui dit qu'il a gagné, il a arrêté, il a marré le bras derrière, il a porté le bain au commissariat. Dans le deuxième matin, comment tu as sorti en tant que chef CSPN? Comment tu as sorti dans le dossier ça? Si tu as parlé du directeur général et que le directeur général de la police nationale là et que ou gagné dans le CSPN là? Comment tu as sorti dans le bagage ça, chef CSPN? Chef pas existé sans structure. Ou gen doit chef pour porter nos chefs là, mais ce n'est pas un levier. Si je suis dans une machine, la batterie machine n'est pas bon, mettez bon chauffeur, comme j'aime des bons chauffeurs, la machine n'a pas de déplacer. Et même si je me fais pousser, les n'ai jamais parti, même s'il y a un clutch. Alors, et c'est même question par anticipation. Et est-ce que nous mesurons la capacité? Et lorsque vous lancez un avis de recherche pour Jimmy Cherizier, il semble une parole. Parce que, ou cherchons mon pas ouais. Ou cherchons mon pas qu'on est côté lié. Mais comme tout le monde connaît qui côté lié, et lui-même tout le pas caché, de temps en temps, il fait apparition, soit sous belle, etc. Il y a un quartier, c'est là, fonctionner, sous réseaux sociaux, et actuellement, avec la technologie, qui a repéré ça, mon app fait dans le téléphone, son monde qui, cap vivre, tout le monde, il peut être des précautions qu'il prend. Je pense que l'avis de recherche là, peut-être pas de même lancer. Pas de même lancer pour ne pas sembler en démagogie. Pour ne pas sembler en démagogie. Que ce soit capable de faire opération pour arrêter, ou bien on ne pas dire rien. Parce que on vient passer au ridicule. C'est un coup de dire là, moi font promesse là et dans l'émission, hein, mais c'est dans la tête point le sorti. Je ne vais pas réfléchir l'avant. Et puis après ça, je vais retrouver nos dilemmes. Je vais le prisonnier dont promesse moi fait que je ne vais pas respecter. Non, pas dire non. Maintenant, là, parce que le pays a senti que c'est un comique qui a fait là. Et on est qui a avec le recherche d'elle, qui a parlé ton autre qui a avec le recherche d'elle, qui prend le poté, le bail la police non mais alors que c'est lui-même qui mène. C'est ce qu'on a peut-être en bas. Qui se doit dire avec la police? Qui se doit dire avec le directeur général de la police? Eh bien, qui te font titane? Parce que je ne peux pas dire un bagage qui t'a semblé
m'a passé pour le ministre qui a l'ordre, bah, il doit ça. Entendre. Non, ça ne demande pas les valises. Non, pas non. Pas ça m'a dit à quelqu'un, partout qu'on attendait, ça m'a dit. Je pense entendre réaction autorité, même penser pour aller gagner une réaction. Mais au-delà de réaction autorité, on analyse nos cafés. On baille, même si je pas un spécialiste de l'armée, mais il y a des bagages de bon sens qui sont là. On va écrire les inégalités des forces. Et n'a pas parlé hier soir, je n'ai pas fini de maîtriser ça, je dis là, et je connais que M. Cherizier présenté au monde dans la télévision, il dit que c'est Mounsa qui présume assassin, et que l'a promet à la police. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux que je remets à sous-commissariat à Portail Saint-Joseph, et que. Et il y a qui dit c'est lui-même en personne qui est allé. Mais oui. Ça, je n'ai pas vérifié aspect ça. Nous avons des voiles dans la vidéo. Sous Zim, nous sommes journalistes crédibles. Visage qui apparaît, mais nous visage qui apparaît dans la vidéo, mais dans les voiles. Maintenant, le principe de l'inégalité des forces capable de faire que les policiers qui étaient là, évaluer, il n'y a pas assez de force pour arrêter monsieur par rapport à ça le représenter. Parce que monsieur n'a pas débattu en bas comme ça. À ce moment, on a une autre question à vous poser. C'est sur le fonctionnement de la police. Parce que la police, là, son corps, il est supposé qu'un système de communication, même qu'il y a des codes qui sont capables de faire une intervention rapide qui peut faire boucler les zones. Non. Parce que ces questions m'a posé. Et là, je suis ça qui a passé ma pli entre les lignes, même suspect que policier dans ce commissariat Portail Saint-Joseph, là, pas trop voulu qu'un monsieur, parce qu'il a posé des questions, puis il a pris monsieur là, et puis après ça, il vient pour un monsieur dans le meilleur. Et puis. Surtout, il n'y a pas de prendre la rue pour amener monsieur dans le commissariat à Port-au-Prince. Et l'ironie du sort, semblait monsieur faire toute nuit là, par aucune autre unité qui vient prendre pour mener le côté qui offre plus de sécurité. Ça veut dire que nous avons une situation de débandade. Et au niveau de la gestion des forces publiques, qui m'a dit pour nous prendre avec un pile sens de responsabilité, un pile dépassement, mais surtout pour nous considérer ça comme un défi. L'IPACA était consable. Si nous pas organisé force publique principale là, qui c'est la police là, eh bien, pita capable pitris. En garder de l'autre, prêt à leur souligner le fait que le président voulait boucher trou, les sous les fonds, il vient de paraître fatigué et action lieu inefficace. Est-ce que c'est même fatigue ça qui fait que là, il mettait une espèce de CEP campé là, côté que CEP, c'est pratiquement celle lui-même avec, pas qu'on est non, c'est celle lui-même qui est estimé là, donné, et il n'a pas gagné en tant que politique qui vient sur lui. Du coup, je veux dire là, CEP a monté depuis 18 septembre, par exemple, il commence à la régler, il est installé, il a dit qu'il mettait quoi pour lui dans le budget. C'est même fatigue ça qui fait le président pratiquement apparaître avec un CEP là, il a péché avec elle. Alors, fatigue là, il faut mettre un bémol sur le mot fatigue là. Sous président, il faut fatiguer. Parce que le président va gagner l'heure au travail. Mais, gagner, on est capable de dire l'économie de la force. On est capable de chercher, utiliser force pour être plus efficace dans sa affaire. Là encore, c'est méthode de travail. Là. Le président assume tout le bagage lui-même d'abord. Et pas rien qu'empêcher que c'était le ministre de la Justice et qui c'est ministre de tutelle conseil électoral là. Ou bien premier ministre là, et qui t'a fait opération hein, et puis s'il passait mal le président vient corriger c'est question arbitrage là président pas prendre recul pour le faire arbitrage là parce que moi tant dans pile critique qui fait sur CEPA et critique fondée parce que pas gain concertation pas gain accord politique pas aucun monde tête droite qui va le dire CEPA bien monté qui va le dire CEPA gain capacité pour ta faire une élection crédible cependant faut une différence. Entre gens qui peuvent monter avec les gens qui l'ont dans le lieu, il y a des gens qui peuvent vilipender les gens. Ce sont des citoyens. Et il y a des gens qui connaissent un parcours respectable, etc., qui ont trouvé là, par contre, dans quelles circonstances. Il y a tout qui est issu de certaines organisations, qui sont souterraines, etc. Il ne faut pas craser tout le bagage. Non, mais est-ce que citoyen ça, M. Paul, pas justement mettre tête dans la situation pour y apprendre toute frappe, ça y apprendre toute critique, ça y apprendre, lorsque vous connaissez, vous entrez dans une institution qui pratiquement est constitutionnelle, qui viole les constitutions. Parce que vous peut-être capable de monter comme conseil électoral pour organiser l'élection, mais pas pour faire un référendum pour changer la constitution. C'est inédit. Alors, toute question ça, c'est problème concertation. Et moi-même, je crois que côté les
élection, opposition, transition, cohabitation, constitution, ou pas capable d'engager dans l'émotion ni dans la confrontation. Faut toujours privilégier concertation capable de faire nous jouer une solution. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que nous avons une grave crise. Côté que ou pas capable de dire c'est la constitution qui peut appliquer. Mais c'est la loi qui peut appliquer. Lors de la crise de société, ou obligé tout le temps à chercher consensus. Parce que si vous avez marché bien, pas chercher consensus, c'est appliquer la loi. Et la loi, elle l'appliquer, c'est envers contre tous. Majorité ou minorité, ou faible qui pas bon, appliquer la loi contre tout. Mais nous-mêmes, nous avons un problème consensus. Et bien, c'est ça que choix. Si nous parlons dans la condition idéale pour que les institutions, fonctionnent, et que c'est la loi qui peut appliquer, faudrait-il de ça pour chercher consensus là. Le problème, c'est parce que consensus là, pas chercher, gens pour le chercher. Et que citoyen ça y est. Et du tout, dans le cadre là. Oui, on ne dit pas assez. On ne dit pas assez. Pas assez dans le sens de manière très défavorable. Et on a dit 80-20 ou bien 80-90. Pour qui ça? C'est parce que je ne veux pas ignorer les gens qui l'ont dans le monde. Les gens qui l'ont dans quand même, ce sont des citoyens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et je vais attendre des émissions avec artistes au matin. Même les gens pas d'accord avec le monde. Parlons de l'image pour nous considérer l'existence. Je ne dis pas un consensus du tout. Pas un consensus suffisant. Pas un consensus acceptable. Pas gagner un consensus de rassemblement. Pas un consensus apaisant. Nous êtes capable de faire toute qualité qualificative. Monsieur le Premier ministre. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Je le monte avec manque de consensus, crédibilité que le pagain, confiance que le pagain. Ou pensez que c'est ça capable d'organiser l'élection qui est pratiquement une élection générale qui va gagner. Faut remplacer le président, deux tiers dans le Sénat, chambre des députés, collectivité territoriale. Vous pensez que c'est ça capable d'organiser l'élection sans que le pagain élection va utiliser propre propos en grain soulier avec mon qui remène seulement? Toilette, non. Non. Il n'est pas capable d'organiser l'élection. Il n'est pas capable. Mais qui j'en ai pas le faire? Pour le faire, fort. Pour CP à faire l'élection, il faut d'abord il y a confiance population. Il faut que les partis politiques d'accord travaillent avec lui. Ils sont institutions, on est capable de dire transversales. Ils vont travailler à partis politiques, société civile, la presse, etc., communauté internationale. Non, CP ça, pas capable. Mais même pendant le pas capable, je ne parle pas de vilipendre des gens qui l'ont. Parce que nous avons besoin de gens pour l'autre bagaille. Oui. Nous avons besoin de l'autre CEP. Non, c'est haïtien, oui. Mais, oui, oui, je ne suis pas d'accord pour craser les gens. Alors, mais CEP, ça, j'en fait là, moi, j'ai une chance de parler à la présidente, je ne vais pas parler dans la radio quelque temps, m'exprimer des accords sur Jean CEP, fait là, me comprendre volonté, me comprendre bonne foi, mais choix pas bon. Alors, je dis, M. Sagan, qui nous dit ça, qu'il ne va pas nous dire CEP ça? Non. On parle à la présidente et nous pas toujours d'accord. Nous pas toujours d'accord. On a des bains mondiaux en public que c'est là. Nous on même pas jamais de mieux avec vous ça. Nous on a des accords. Vous m'avez dit là le pape Jean-Paul. Nous on fait longtemps. Nous pas parler. Mais moi pas choisi un ennemi en politique. Nous avons des accords. Mais faut nous parler. L'on parle avec le souci. On dit c'est ça pas bon. Nous pas parler de ça seulement. Et il pas montrer que le choqué parce que ça. Il montre que lui conscient gros problème. Et il montre que l'État éventuellement ouvert pour une solution plus acceptable. C'est solution à avantage. De. Comme tu dis ouvert pour changer CEP ça? Non, pas porte-parole, président. Pas pour l'anticiper. Il y a des gens qui sont très prudents. Pas pour l'annoncer. Ça, président. Pas porte-parole, pas conseiller. Je n'ai pas d'opinion. Mais l'évaluation. Réceptif. Réceptif à l'idée. Pour ta gagner une négociation, côté CEP à sous table à tout. Ça, c'est une opinion. Son évaluation, je ne sais pas où monde qui dit Ah, me fait le net. Non, monsieur. Moi, son monde qui dit Ah, café, mon cher, bon, et tout bas, ça, il casse son table. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a pas de désavoué, peut-être, pour dire Ah, je ne reconnais pas bon du tout. Mais il n'y a pas de dire très bon tout. Mais vous connaissez CEP à son table de négociation, ça, son bar est très. Comme tu as dit ça là, qui pas aucun poids parce que c'est passé et puis il a parlé là. C'est le mandat, il a parlé pour qu'il finisse le 7 février 2021. Il a parlé de mandat depuis longtemps.
ne pas faire qu'à parler de mandat. Oui. Et moi, je dis que. Parce que véritablement, commencer par de mandat le 7 février 2021, c'est après le film voué, oui, c'est le 13 janvier 2020. Alors, qui te me dit? Moi-même, je me dis que le président a un problème et arbitrage là. Léon Tijan a des fois trop devant scène, il n'a pas quitté l'espace pour jouer l'arbitrage. Opposition, bon côté, pas qu'on mesure victoire. Parce que chaque monde a une limite sur le café. Ou en premier lock là, lock qui était fait en février 2019 là, opposition a obtenu que le mandat président Jovenel Moïse écouté. Moi-même, moi j'étais convaincu qu'il était capable de faire ça, le ça. Mais comme tu as une attitude jusqu'au bout, si ça allait pour l'aller, sans qu'on ait tout le monde pour faire l'aller, ou pas même capable de bénéficier d'une petite victoire. Dès qu'on travaille avec le professeur Gérard Pierre Charles dans le cadre de convergence démocratique, j'ai toujours gagné la théorie des petits pas. La théorie des petits pas, on va que les chemins découpés, les gens qu'on a en dehors. On route bien long au café, les pigons, ils vont passer non rage, etc. Mais fort capable d'évaluer force pour qu'on ait qui côté qui arrive, qui côté pas qui arrive. Et on a fait parallèle par rapport à l'élection dominicaine, l'élection américaine. L'élection américaine, où on voit que une opposition farouche entre démocrates et Donald Trump. Yo essayez un impeachment, ça va marcher, yo bon chemin élection. Parce que yo mesure force yo. Yo dit ah, bah ça plan ça a pas marché, on prend l'autre plan qui plus réaliste là. Nous voilà devant peuple là. Et là yo presque gagné bataille là, m'a dit yo gagné parce que gagné ambiguïté jusqu'à présent, yo presque gagné bataille. M'pense que gagné bagaille opposition était capable obtenu, par exemple opposition était capable obtenu, li gon meilleur c'est conseil électoral. Un conseil électoral peut-être qui est capable au-dessus de la mêlée. Parce que nous n'avons pas besoin d'un conseil électoral partisan, ni choisi par le président de manière unilatérale, ni choisi par l'opposition. Nous avons besoin d'un conseil électoral qui a des personnalités. Bon, l'opposition a une capacité pour te influencer pour nous conseiller, puis je veux dire, pas taper dans sa ligne. Et le président Jovenel Moïse t'a obligé à tempérer parce qu'il était en faiblesse. Donc, Premier ministre, si vous comprenez bien, à partir de janvier, février 2019, si ce n'est pas intransigeance opposition, vous avez dit que le président a cédé au parti de mandat là pour que la question. Laisse la question à l'ordre du jour et laisse la présidente sensible à ça. À un moment déterminé. Le président est sincère à ça. Pas dit sincère, sensible. Oui, sensible. Dit sincère moi-même. Chaque fois, il y a même place. Non? Absolument pas. Sensible, on ne peut pas le dire sincère. Absolument. Il y a une situation où on dit ah, là, il a tombé du tout, puis tombé mon sou. Mais oui. Parce que je n'ai même pas mon sou du tout. Oui. Non, situation, moi, sensible à l'idée de mon sou. Ou bien que je ne suis pas forcément sincère. Ou qui est là pour lever l'autre bord. Bon, ça, c'est le président Préval qui dit ça. Après, là, je vous sortir. Mais, politique là, c'est à la fois un jeu d'intérêt et il faut qu'on jongle tout avec les conjonctures et puis il faut qu'on ait tout la dynamique des contradictions internes parce que ce que l'opposition doit connaître, c'est un lieu d'intenses contradictions internes. C'est-à-dire que plein de contradictions internes, c'est ça qui c'est ça qui fait force, c'est ça qui fait faiblesse. Le gouvernement a une différence parce que c'est une autorité principale. Et force gouvernement a de chita sous mode d'organisation et de fonctionnement, à savoir le principe de l'arbitrage des autorités. Alors, nous faisons des mauvais choix, du côté opposition, des mauvais choix, du côté. Ça veut dire bataille la partie sous des principes non conventionnels. Qui pourrait le bailler des crises que la société a pour le payer cher. On garde l'autre point dans le chantier président que la milité a pile voulu, qui c'est changement de constitution. Et nous, elle voulait passer d'abord par un référendum, limiter un conseil consultatif indépendant, entre guillemets. Mais avant de poser la question, on pense que le conseil est capable d'indépendant, vous voyez? Monsieur le président, mettez le campéa, conseil consultatif indépendant pour réforme constitution. Le mot indépendant, ça va être toujours poser toutes nos questions. Indépendant par rapport à quoi? C'est pour l'audio une institution indépendante. Indépendante par rapport à quoi? Indépendante par rapport à président ou bien par rapport à peuple. Et d'ailleurs, c'est des concepts pour nous faire très attention à utiliser. Parce que l'on a fait la constitution 87, là, nous fait lier avec l'esprit
président, c'est synonyme de Duvalier. C'est ça qui fait le paquet de problèmes là-dedans, parce que l'ombre du Duvalier, l'ombrage du Duvalier, fantôme du Duvalier était devant le monde qui a appris la constitution, parce qu'il était fait sortir dans la dictature. C'est ça qui fait nous créer un bon bail, nous, Léo, indépendant. Toute indépendance est relative. Parce que moi-même, je suis pas capable de dire, moi, indépendant. Je dois avoir une opinion sur une question, je dois avoir une limite pour arriver à un monde. Même je suis pas capable de dire totalement indépendant. Ça n'a pas de sens. Un président, si le président, lycée haïtien, alors, il n'y a pas l'idée, il lui fait passer dans la Constitution. Mais c'est normal tout. Tu vas avec Bomboli, avec Clini. Moi, je t'ai plutôt dit équilibré. Je t'ai plutôt dit équilibré, j'allais dire que les gens influencent, l'autre monde influence tout. Et puis, il y a un côté de faire arbitrage. Là. Parce qu'on ne peut pas empêcher. Mais c'est justement ça. Influence. C'est l'hypocontrôle qui est dans la Constitution. Moi-même, Gombagay l'a dit, et je pensais que je t'ai sauté sur ça. Premièrement, je n'ai pas candidat. Deuxièmement, je n'ai pas cherché avantage sous constitution qui pourrait le faire là. On connaît le prochain discours président, tu as fait, tu as souhaité dévoiler l'idée sous constitution. Moi-même, j'ai l'idée sous constitution. J'ai l'idée sous l'idée. Sous l'idée sous constitution. Parce que le président a des points. Non, il y a des problèmes. Il y a des bagages, il dit, il n'y a pas besoin de dire. Le président n'a pas besoin de dire. Tant qu'on l'a dit, c'est un outil de corruption. Il y a des gens qui disent, il joue constituant. D'ailleurs, dans la constituant, il y a des gens qui 60% qui étaient élus. Et puis, il y a 20% de CNGAT choisi. Il y a des gens tant que docteur Roy, il y a des gens très respectables qui étaient là-dedans, que papa le dit, c'était des corrompus. Vous comprenez? Et je ne peux pas dire comme ça. Et n'empêche qu'il y a des problèmes dans la Constitution. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec la position de l'ambassade américaine qui dit qu'il faut faire élection avant de ranger la Constitution. Parce que ce n'est pas la Constitution qui fait problème. Yo. Mais il est vrai que la Constitution lit. On source d'une série de problèmes dans la gouvernance pays. Côté que y a un bon monde qui en place, qui est élu, et puis c'est goumé à l'goumé. Ou bien un phénomène cartel là. Ou bien une enquête à travers le pays pour voir qui côté un cartel, magistrat, cartel, kazek, que toi, Mounio, entendu. Magistrat principal là, c'est lui-même qui est sur le côté chanté. Ou pour aller au niveau des communes. Constitution dit que un commune est autonome, la commune. Mais la commune a une section communale là-dedans. Que Kazek l'a élu. Et bien maintenant, l'élu a pensé que c'est autorité, section côté lié. Et bien maintenant, qui pouvoir réel que le magistrat est capable d'exercer sous lui. Alors, où est ça? Où est au niveau du Parlement? Côté pour une loi sortie, son bagage compliqué. Il faut le voter dans le même terme. Dans tous les pays. C'est perdre du temps. Nous n'avons pas de pays. Nous avons deux chambres. Nous avons le Sénat. Tous les deux ont la même fonction. Nous avons une bonne contradiction. Tout le monde est en développement. Magistrat est en développement. Kazek est en développement. Député est en développement. Sénateur. Président est en développement. Pour côté de la sortie, faudrait-il que nous bien compartimenter le rôle. Alors, il y a une bande de problèmes. Qui, par exemple, question pour nous faire élection chaque 2 ans pour renouveler le tiers Sénat. Nous n'avons pas de capacité pour nous faire tout ça. Ce sont des. Je ne pas dire que c'est fait pays dans la crise tout le temps, non? Mais c'est somme de. Oui, même penser que c'est vrai, il faut me poser. Mais en même temps, tout, pas qu'un individu, à lui-même seul, même si le président de la République, qui est capable de porter ça sous dole. Et le président Jovenel n'a pas dit la porter sous dole tout. Mais maintenant, comme pas un cadre légal, pour faire l'IA, faudrait-il que nous joignions une formule qui est avant nous, un consensus, nous sommes capables de dire acceptable. Okay. Maintenant, vous êtes clair sur l'élection avec CEPSA, pas un doute sur lui, nous n'avons pas organisé l'élection, mais en même temps, est-ce que vous êtes président capable de faire changement de constitution, ça va parler avec le conseil consultatif limité, ou bien changement de constitution tout court pendant ce mandat-là? Il n'y a pas qu'à faire le pour contre lui. Il n'y a pas qu'à faire pour contre lui. Il faut qu'on soit consultatif là, capable d'aider le rallier l'autre monde. Et maintenant, des discours du président Boniface Alexandre, qui sont monde respectable, et il dit que le travail n'est pas capable de réaliser sans collaboration, sans aide du peuple haïtien. Et là, il dit que le peuple haïtien, je pense qu'il a parlé de représentants avisés dans la société. Parce qu'il y a deux niveaux, il y a les élites. Nous ne sommes pas capables de faire une opération importante comme ça sans élite. Pour la première mobilisation, ce n'est pas seulement Frontex.
faut que le monde qui joue nos gens, même s'il n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse. Pour dire Jovenel Moïse, déjà, il vient à la sortie. Jovenel a géré la fin de son mandat. Il n'est pas qu'à venir candidat tout de suite encore. Il n'est pas qu'à arrêter 11 jours en plus après les mandats la finir. Oui, mais pas qu'à venir candidat tout de suite là, c'est, nous connaissons le détail. C'est bien que vous êtes en position pour organiser l'élection. Vous avez fait ce pas scout. Bon, et vous avez fait ce pas scout là. Il y a un paquet de bagailles qui passent dans le monde qui montrent l'élection pas faite comme ça encore. En République dominicaine, il y a un gouvernement qui fait l'élection, il perd l'élection. En Bolivie, là, nous autres prenons un exemple. Il y a un coup d'État, il est tombé, il est tombé, mais parti là, tourner sous pouvoir. Aux États-Unis, Donald Trump, bagaille tout puissant, etc. Même si il n'y a pas de profil clair net, mais au senti opposition, hein, semblait le bras gain. Mais l'autre garde, Evans Paul, ou pas le président, comme quand il prend un changement de constitution, mettre sous d'autres pour qu'on parle, même avec l'élection, pas aucun consensus qui fait au niveau de société. Hein. C'est vrai que grand pile acteur qui reconnaît la nécessité pour t'aider passer, mais qui fait dans la constitution, qui a une grande bonne pointe à lui, changer dans la constitution. Hein. Mais pour le président, pratiquement, il a donné beaucoup de consensus. Question arbitrage là. C'est le même problème, non? Un président, trop pressé. Il est trop pressé, il peut faire trop bonheur. C'est-à-dire qu'il a arrêté, et puis quitter l'autre monde, débroussailler, comme ça, quitter. Parce qu'il y a l'autre monde qui a une position, président. Il y a un côté de me rencontrer, il y a un côté de me rencontrer. Je ne dis pas qu'aucun homme politique ici, dans le pays d'Haïti, cadre de la constitution, qui n'a pas gagné là-dedans, qui mérite d'échanger. Comprenons toute partie, pour quoi Laval, quoi l'OPL, quoi la fusion. Tout le monde d'accord. Nous d'accord, nous d'accord pour corriger, mais nous ne pouvons pas mettre d'accord sur qui j'ai. Et tout le monde connaît tout. Dans le mécanisme constitution pour amender là, ou pas qu'à résoudre le problème. Il y a peut-être là un gros professeur Sonné Jean-François. Maître Sonné Jean-François, il ne va pas changer la constitution, non? Il dit que la constitution 87 nous pas jamais appliquer. Il dit que la constitution 87 n'a pas aucun problème. Là, c'est nous pas jamais mettre dans la situation pour nous appliquer. Ce n'est pas lui-même et pas texte à problème. C'est haïtien qui problème, non? Maître Jean-François. Nous pas de solution. Non, son cas important dans le pays. Il si dit un bagage, il faut prendre très au sérieux. Mais son monde qui écrit en pile, qui écrit bien, d'ailleurs, ils font une mémoire pour dire comment on a appliqué pour arriver et surmonter toute difficulté. Parce que. Je me pose la question. Il y a des bagages économiques là-dedans. Son application coûte en pile comme. Est-ce que Evans Paul, ou estimé opposition raté timing? Qui était favorable avec lui maintenant pour le défaire Jovenel Moïse aller avant 7 février 2022? D'une part. Parce que. D'une part, ça veut dire oui? D'une part, oui, d'une part, vous avez fait l'aller avant 7 février, c'est son premier bagage. Vous avez gâché en pile dans la bouche plutôt. Parce que, qui s'est passé? Son dynamique démocratique. Parce que l'opposition, il y a des fois, les gaspiller force. Les gens ont mobilisation. Et puis, par contre, toute mobilisation est temporaire. Parce que le peuple a une limite. Li. Mon nous dit, marché aujourd'hui, demain, décide de disposer camper, d'autant plus que il y a capacité pour résister, problème économique, etc. Et puis, peuple n'a pas patience. Tout. Ou dit, le peuple fait ça, et puis, il a dit, un mois, deux mois, il n'y a pas de marché. Ce n'est pas seulement en Haïti, regarde ce qui passe au Venezuela, avec Juan Guaido. Le monde entier dit, appuyez, monsieur, comme président. Bon, Maduro résiste, ça qui passe. Vous avez parlé de monsieur encore? Parce que tu as des mauvais choix qui étaient faits. Même au niveau international, tu as surestimé ça, M. Café. Tandis que, si peut-être, il n'y a pas dit, il reconnaît M. comme président, il a demandé pour élection est faite pour M. candidat, il n'y a pas de gens. Il faut réaliser dans le combat. Si, par exemple, vous dites, bon, nous voulons mettre un conseil électoral que tout le monde respecte, pour bon, nous garantir une bonne élection. Bon, nous voulons élection anticipée, mais si ça, nous voulons négocier avec le président Jovenel Moïse. C'est pour une question de. Vous avez dit, vous n'avez pas dit, vous voulez transition pour Jovenel Moïse aller? Parce que ça a demandé. Et ça a demandé. Transition, ils sont bagailles controversées. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. La transition, c'est un mot. Son mot, je le dis. Parce que ce n'est pas le monde qui fait transition. Transition, c'est le programme. Premier gouvernement de transition que tu as gagné, c'était l'administration de Jean-Bertrand Aristide en 1986. D'abord, c'était doué le président Maniga, ça passait mal. Qui était doué faire transition de la dictature vers la démocratie. C'est de ça qu'on a parlé. Et maintenant, qu'on bande de bagailles que nous avons, on n'a pas eu de transition. Il faut nous définir sa transition. Parce que certains mots, on va mettre non là-dedans. Qui fait,
Un gouvernement élu capable de faire transition en tout. Ol plus facile pour mettre un gouvernement qui a légitimité, ou t'as dit, ou ap fait élection anticipée. Opposition font grande coalition qui dit, bon, nous allons faire transition. Transition, on veut dire, n'a pas fait une constitution qui répond à des idérata, à capable dit, culture, à tout ça qui a fait pays à marcher plus bien. Nous allons adopter une politique économique qui permet de nous faire croissance. Nous allons gagner un système d'éducation qui est plus fonctionnel. Parce que je dis à Robinson, bon paquet de jeunes, ils ont fait toute étude classique. Yo. Bon, il y a quelqu'un qui même une licence dans la main. Mais ils n'ont pas représenté grand-chose. Mais ce n'est pas eux responsables. Ce sont des gros problèmes. Moi, il y a des gens qui sont dans l'université d'État ici hein, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui n'ont pas une licence. Il y a la rue, il y a la manifestation, etc. Mais il y a gaspillé l'énergie, il y a gaspillé le temps, il y a gaspillé, il y a capable de dire, existence. Qui fait, nous ne sommes pas capables de gaspiller le temps, de gaspiller les ressources comme ça. Donc, est-ce que vous estimez que, avant nous aller aborder la question de l'élection américaine rapidement, parce que c'est l'immédiat où je vais être demain, est-ce que vous estimez dans le moment ça là, opposition a parfait poids pour forcer Jovenel Moïse à aller 7 février 2021 ou avant, Jovenel Moïse a fini faire mandat jusqu'à 7 février 2022? Opposition a affaibli. Il est affaibli, tout pour nous constater, il est affaibli. Mais maintenant qu'on y a, affaiblissant, on va lui dire, il mourit. Il est obligé de réviser la stratégie, pour le gagner, il y a une proposition, on est capable de dire qu'il est accrochante. On ne peut pas dire pour le peuple là, reconnaître là-dedans. Je pense qu'il est obligé de réviser. Si on ne pas réviser, il a passé à côté, il a toujours dit, il veut. Et là, à la manière du gouvernement, cap fait tweet, cap dit le dénoncer, et puis ses paroles vont. Peut-être que, dans le moment où on a parlé là, Evans Paul et Biden capable de remporter Pennsylvanie et puis le final avec ça, nous ne connaissons pas. Mais l'opposition a compté, selon calcul politique, compté sur l'élection Biden pour l'administration américaine a changé politique de par rapport avec Haïti, pour le suspendre by Jovenel Moïse et Supolab Baydala. Et Jovenel Moïse compté sur l'élection. Et renouvellement mandat et Trump pour que les Américains continuent la même politique ça par rapport à elle, la supporter. Comment est le schéma ça? Haïti paraît tout important ça. Vous avez parlé à un professeur matin. Hein? Oui, Awol Joseph Pierre. Awol Joseph Pierre, félicité monsieur. Haïti paraît tout important ça dans le gouvernement américain. En comme si M. Biden, président, c'est d'Haïti qui va l'occuper avant. Il y a un problème. D'ailleurs, il fait déclaration contre Corée du Nord. Il dit voyou. Il faut l'obliger et respecter les paroles pour le connaître. Comment on va le démarquer de l'Union? Il y a des problèmes américains avec l'Iran, des problèmes avec la Chine, des tout problèmes internes, coronavirus, M. Dil pour gérer les bagages là. C'est de Haïti, M. Biden pour le président, c'est le dossier Haïti. C'est l'ambassade américaine qui a toujours dicté ça pour faire là. On s'en est pas dit, mais qui positionne de gagner avant, ou pensez que Biden pour aller venir désavouer ça, M. Trump t'a fait. C'est moi qui pas suivre la politique américaine depuis 30, 40 ans qui pensait comme ça. Ça a été représenté dans la balance là pour M. Biden. T'es arrivé, puis le premier dossier qui est sous bureau, c'est Haïti. Perte de temps si on pensait comme ça. Moi, d'accord. Du point de vue de la politique interne des Américains, gros engagement, M. Biden prend sous mon petit pièce, nous. Et nous connaissons que si vous voyez Mounio tourné, là, vous avez un impact négatif sur nous, sur l'économie, nous, sur bon, l'autre aspect. C'est juste sur l'aspect ça, d'accord. Mais l'autre aspect, mon pensée, Biden pral kembe, M. Jovenel Moïse, nos oreilles pour dire quitter le pouvoir, bon, moi, c'est perdre de temps. Même gens, en pile, mon pensé, républicain, t'es traditionnellement supporté un dictature en Haïti, t'as supporté Duvalier. Sous qui président dictature a tombé? C'était sur Reagan, républicain. Là, pour tomber, c'est pour camper, après camper. Il y a un autre bagaille qui prend une décision qui n'a pas aucun rapport avec Haïti d'abord. Il est toujours lié avec la perception intérieure. Moi-même, je pense que faut moun pas mettre espoir au sous ça. Parler entre nous, chercher solution. Ben, yo même y a tant de solutions entre nous, nous même y a tant de solutions pour nous. Quand il y a ces bagailles, moun, ça va être sous deux, je veux dire. Ou qu'on a Amérique divisée, deux Amériques, ou Amérique profond. Qui ont un paquet blanc, suprémaciste, raciste tout. Oui, bien sûr. Par rapport au mouvement Live Black Matter, où on a un bon problème interne, violence, etc.,
qui gagne États-Unis. Et donc, un problème, il y a un gérer, c'est pas ici. Maintenant, tête, c'est un petit pays d'Haïti qui n'est pas représentant rien, qui n'est pas pour le pétrole vendre. C'est de ça, M. Biden pourra l'occuper, ou M. Trump pourra l'occuper en premier. Perte de temps si on ne pense comme ça. Mais, à fait, il y a cela. Je pense que c'est un élément capable d'expliquer. Nous avons plus d'espoir si c'est Biden qui est élu. Monsieur le Premier ministre, nous avons fini. Il y a 2 ans de cela, vous êtes chita là, ensemble avec moi, vous avez parlé de Jovenel Moïse. Vous avez estimé que le paquet contrôle en est pratiquement dans le pays. Et que le pays a son pays, comme Dado, qui a effondré. 2 ans après, comment est le pays? Jusqu'à présent, il n'y a pas de contrôle. C'est parce que le paquet contrôle qui fait le pays passer comme ça. Mais pas de contrôle là. Nous n'avons pas qu'à la guerre sur sa bite et à sous dole seulement. Non, c'est absence des institutions. Hein. Ouais, ça a passé les États-Unis, pas l'empile de déclaration. Vous avez contribué pour le topier, c'est surtout. Moi, je suis parlé de questions et comportement le pour arbitrage. Je suis toujours campé même côté. Aux États-Unis, il y a un bon monde qui a parlé de bon bagage, un bon de détails, monde pas connaît. Est-ce que grand pile monde qui connaît? Je vais le bon gros chiffre là. Il y a 1226 candidats à la présidence. Tout le monde connaît 2 candidats parce que le système dans Jean Lier, pour faire un spot passé dans la radio, dans la CNN, $100 million à coûter. Ou gen candidat, candidat, ou gen moun ki candidat à la présidence en quartier Brooklyn. Au moins gen candidat pou nous connaît qui vient en Haïti, nous gen candidat qui visite nous, qui est qui candidat. Yo di vole élection. Gen nous gen 1000 pas nous gen, gen 1226 candidats. Oui, qui déclaré mais c'est environ une dizaine qui gagne faut. Oui, parce que gon bande mécanisme faut inscrire dans tout état etc. Oui, oui. Et puis problème qui a passé dans contradiction dans politique américaine, là il commencé depuis 28 ans. Depuis l'été gagné élection Clinton en face Bush, où t'es comme monsieur que les Waspiro, et y a eu le third party, qui est ton troisième parti. Monsieur, ça a été fait 18%, c'est là, ça a été contre le troisième candidat. Il changeait. Bah, là, pour qu'on finisse dégradé net, non. Parce que je me songeais, monsieur Waspiro fêtait des fêtes en dansant. Là, monsieur a pas annoncé le père Dieu, puis monsieur a montré ça dans la danse. Oui, parce que c'était, parce que ça qui passe dans la démocratie américaine, non? Il y a des pouvoirs au bas du monde. Là, monsieur Trump dit, pas pour reconnaître l'élection, hein? Eh bien, traditionnellement, fort monde qui perdu a d'accord le père Dieu. N'a regardé en 2016, c'est jusqu'à 2h du matin, oui. Pendant que Clinton d'accord pour l'élection, pour le dire, sous insistance Obama. Qui fait, gen ça les lois usuelles, gen des bagailles, ces comportements, oui. C'est pas loi, loi qui dit pour faire les. Moun qui perdu, pas d'accord perdu, et puis ça a créé un impasse. En 2000 tout, puis c'est go, pas d'accord perdu tout de suite. Nous, les services obligés de faire appel à 2 anciens secrétaires d'État, et Warren Christopher, et John Baker, qui t'a fait une médiation, chaque soutien non parti. Mais il y a une ressource, il y a une cour suprême. C'est ça nous manquons en Haïti. Là, il y a un problème, bah, la gare est nette, nous n'avons pas de recours. Et nous besoin de recours pour nous faire société avancer. Donc, toujours est-il, même si Jovenel Moïse n'a pas fait mandat, nous toujours pas à côté de l'aller avec le pays. Bon, moi-même, pas dit que je à côté de l'aller. Ce qui est clair, il n'a fait mandat. Ça, il t'a fait le faire déjà. Ça, il t'a fait le faire déjà. Il n'a fait mandat aujourd'hui. Ça, il t'a fait le faire déjà. C'est fini. Je dis, nous ne sommes pas capables d'attaquer Jovenel Moïse, qui est déjà une sorte de passé. Au contraire, c'est ouais pour nous, qui ça nous a fait pour s'il a fait des gars pour ne pas faire plus de dégâts. Parce qu'en général, s'il fait des gars, dégâts ou pas pour lui, dans l'histoire, il a passé comme président d'Haïti déjà. Clair. Héritage du poil quitté. Faut nous faire un jour pour le papi catastrophique que ça nous gagne déjà. Alors, comme je dis, je ne pas considérer personne gagne mauvaise foi. Je pense que nous faisons de mauvais choix. Et lui aussi va là pour le président Jovenel Moïse. Au lieu de vilipender des gens, en nous, qui nous sommes tirés, qui bien bon M. Jovenel Moïse, bon côté opposition, en nous chita parler, en nous négocier, suspendre, nous avons dit là, et. Retirer tête non pour nous dire nous pas là-dedans en nous engager nous même c'est ça moi conseiller tout le monde qui est en opposition négociation c'est pas une faute c'est qui sort va le négocier c'est qui gens va le négocier monsieur le premier ministre merci beaucoup c'est un plaisir Evans Paul enquête analyse